Wesh mes petites racailles, petit mot juste pour vous demander de mettre mon code créateur Tarox dans la boutique Fortnite et de vous abonner à cette chaîne et mes réseaux sociaux. Tout le monde, c'est Tarox, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tout simplement aujourd'hui, on va faire un essayer de ne pas rire, je ne sais pas le combien c'est. Normalement, bon là ce sera marqué à l'écran évidemment. Donc tout simplement, voilà, je vais faire quelques posts drôles. Je vous les montre vite fait pour pas que vous voyez non plus, voilà. Mais en tout cas, il y en a 75. Je vais peut-être pas tous les présenter. Donc déjà, sachez que je vais faire 8 minutes de tournage parce que je sais pas si je vais réussir à tous les faire, voilà. Donc, 10 choses à savoir avant de mourir. Ok. Ouais, ça par contre, c'est chiant, on est d'accord. Ça beaucoup moins je trouve cette année. Il y a beaucoup moins de gens qui ont snap. Ouais, je fais partie de ces personnes les gars. Il y en a pas de normal. Attendez, ça dépend. Lui il est normal. Elle est à peu près normale. Lui non. Elle normale. Lui normal. Oui, oui. Non. Oui. Oui, je rigole absolument pas. Tout à gauche, oui. Oui, oui, non. Oui, oui. En vrai, il y en a que 3 qui sont pas normales. Surtout lui, il fait bizarre. Bref. Votre CV mentionne que vous êtes bilingue italien. Paul Transofa, Artigiani della Qualità. C'est bon pour moi, bienvenue pour nous. Poltrone Sofa, Artigiani della Qualità. Les gars, prenez pas ça pour le bac, hein, croyez-moi. Enfin, pour retrouver un boulot. De sushis saumon 24,90, vous êtes un chat? Un chaponnet, lol. MDR, sucré ou salé la sauce? Quand il croit qu'on peut pas faire l'amour à cause des règles. Yes. Quand ton mec te demande si tu boudes et que tu réfléchis si tu boudes ou pas parce que tu sais plus pourquoi tu boudes. Ah ouais. Tu trouves bien réussi? Ouais, il ressemble un peu à lui. J'aime les relations à distance. Ouf. On va peut-être un peu passer. Oh. What? What? Ah ouais. Au calme, hein. Acceptez les cookies. Oh non, qu'ils sont dégueulasses, tes cookies FDP. Arrête tes conneries, Eve. Moi, le 24 décembre 2019. Moi, le 1er janvier 2020. C'est vrai. Les acteurs, ils sont super forts. Ils peuvent s'embrasser 3 saisons sans tomber amoureux. Rien. MDR, moi, quand on me tient la porte, j'y pense pendant 2 mois. Vous avez déjà déréglé quelqu'un, genre la personne se couchait avant à 21h30 et à cause de vous, elle dort grave tard, MDR. Pour Noël, je veux un dragon. Sois réaliste. Je veux apprendre le français en 2 mois. Tu veux un dragon de quelle couleur? Moi, quand je croise quelqu'un que j'aime pas. Je mets quoi pour mon absence de 15 à 17, s'il vous plaît? Entorse des cheveux, grippe du genou, cancer du caca, foulure des ongles. Yes. J'imagine la scène. Sonnette cassée. Merci de crier ding dong très fort. Vous avez plus d'un gramme d'alcool dans le... Bon, dans le sang, quoi. Et bah putain, vous ne devriez plus tenir debout. Bah en même temps, je conduis assis MDR. Haha, mais tu te fous de ma gueule? Ouais, Jean Festin, sors-moi le taser. La pizza, elle est en mode nuit. Quoi, elle te dit qu'elle aime les hommes mûrs? Bah ouais, hein. 2006, un employé de Coca-Cola a proposé de vendre les secrets de Coca-Cola à Pepsi. Pepsi a répondu en notifiant Coca-Cola. Ça veut dire en gros en mentionnant Coca-Cola, en fait. Psychologue, une image ne peut pas être stressante. Moi. Ouais, c'est sûr.
Ça a toujours été ma phobie, ça. Le premier que je vois spoiler Star Wars, je m'arrange pour qu'il se fasse spoiler tous ses futurs films qu'il envisage d'aller voir. C'est sûr. Ça me refait ma soirée, c'est bon. C'est pas anonyme, Dylan. T'aimes toujours ton ex, Dylan ? La prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire que la technologie nous rend insociables, vous lui montrerez cette photo. C'est un gars, il a 3 doigts. Du coup, on peut dire qu'il était à 2 doigts d'en avoir 5. Ça, aucun respect. Oh, Valbuena. Ton bébé, il est passé dans ses fesses. C'est sûr. Vous fumez? Merci, à bientôt. Pompe funèbre. Oh, les bâtards. Ouais. Ah ouais. Un mec cagoulé, il est rentré dans le bus avec une calache et dit « Celui qui bouge, le tue. » Il y a un rebeu, il a dit « Nique ta mère, t'm'as fait peur, je croyais que c'était les contrôleurs. » C'est tellement raciste. En plus, je crois que le gars là, c'est un rebeu, non ? En vrai, je sais pas. J'ai entendu un truc tomber dans la chambre de mon petit frère. Je lui demande c'est quoi ? Il me dit c'est son t-shirt. Je lui dis wesh, un t-shirt ça fait pas ce bruit là. Il me répond j'étais dans le t-shirt quand il est tombé. Bah, imbécile va. Imbécile va. Je vois une femme enceinte. Ma première pensée c'est ça veut dire elle a fait l'amour elle. MDR, voilà, merci, c'était tout pour moi. Ça, je laisse lire. Un gars de ma classe a réussi le goal de finir son crayon à papier. Je suis grave choquée. Ouais, bah moi ça m'est jamais arrivé, malheureusement. Mais moi à chaque fois je taille la gomme. Quand mes potes m'appellent pour aller bouffer en ville. J'adore sa tête. Comment Trump voit le monde. Bah ouais. PTDR, on dirait pas ils attendent d'être choisis dans une équipe mais personne les prend. J'avoue, ça c'est horrible. Je vais le quitter, je crois qu'il m'a trompé. Non, je pense pas. Puis il est nul au lit. Non, je trouve pas. Quand tu manges chez ton pote et que t'entends sa mère dire « Encore lui, il a pas de maison ou quoi ?» Licorne perdue. Si vous la trouvez, arrêtez la drogue. Une jeune fille de 17 ans met fin à ses jours après s'être rendu compte que l'iPhone 11 avait plus d'objectifs qu'elle. Ah ouais. C'est 30 minutes, je cherche mon iPad. Qu'est-ce qui est drôle? Je vois pas où est la blague. Oh non. En fait, c'est ça son iPad. C'est la coque de son iPad. Dans les séries, il ne révise jamais. Il sort tout le temps. Il chasse des monstres pendant des heures de cours. Mais à la fin de l'année, ils sortent tous diplômés CFDP. Ouais, c'est sûr. Tout le temps. Papa, maman, je vous présente Léo, tu mérites mieux. Mais je l'aime, c'est à Léo qu'on parle, grosse pute. Bébé, je me suis regardée dans un miroir et je me trouve horriblement moche et très effrayante. Ah, et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, ma chérie ? Fais-moi un compliment, tu as une excellente vue. Eh bien, madame, on dirait que vous êtes enceinte. Je suis enceinte ? Non, mais on dirait. Qu'est-ce qu'il y a entre les seins d'une grand-mère ? Son nombril. Quand est-ce qu'on se voit? Never. Never ou never et demi? Alors les gars, pour ceux qui ne savent pas never, enfin, ou plutôt never. Non, never, voilà. Oui, c'est never. Ça veut dire jamais, en gros. Il y en a beaucoup qui savent pas ce que ça veut dire. Donc voilà, juste ça comme ça. Soulignez ceux que vous n'avez pas compris. Ouais. Même. La même. Quand t'as voulu le yaourt de ton pote sur ton plateau et que t'attends qu'il le remarque. C'est quoi ça? Allons voir. Diagnostic du cancer, leucémie, sida, maladie mortelle pour petite tache rouge sur le bras. Aujourd'hui en ville, avec un collègue, une demoiselle m'aborde et me demande mon numéro. Surpris, je lui donne et
et je taquine mon confrère. Plus tard, je reçois un SMS. « Coucou, je t'ai demandé ton numéro tout à l'heure. Tu pourrais me donner celui de ton pote, il est trop craquant. » Non, merci, j'ai arrêté il y a 1500 ans. Ouais, c'est à Pompéi, ça, je crois, non ? N'utilisez pas les toilettes dans vos rêves, c'est un putain de piège. Ouais. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui connaissent. Quand je suis en train de tricher sur mon voisin et que le prof me surprend. Lorsque vous pétez, vous perdez 0,0371 grammes de bois. Bah putain, on se demande pourquoi je suis mince, hein. Alors que je mange tellement. Si on n'est pas censé manger la nuit, pourquoi il y a de la lumière dans le frigo ? Voilà, donc on va s'arrêter là. Là, je suis au combienième ? Ah bah, on va finir quand même. Il y a 4 sortes de peurs. Mot de passe incorrect. Ne pas sentir son tel dans sa poche. 15 appels manqués de la daronne. On doit parler. Allô, t'es dans ta baraque ? Non, je suis avec ta meuf, elle t'a trompé. Les Américains, ils sont là en mode « French people are so stupid ». Mais en attendant, ils ont quand même appelé le WW. Genre, je sais pas où ils voient le U. Hey meuf, réveille-toi. Putain, mais quoi, il est 3h du mat, bordel, tu veux quoi ? Je fais des crêpes, t'en veux ? Ok, j'arrive. Le Doliprane, il doit galérer à localiser la douleur, en vrai. Wow. J'avoue. Bon, voilà. Finalement, on a tout fait. 75 quand même, c'est bizarre. Donc voilà. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, les gars. On se retrouve pour la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta. Et tout simplement de s'abonner à cette chaîne, de partager, commenter, liker et tout ça. Et donc nous, on se retrouve à la prochaine vidéo, voilà. Donc, bah ouais, à la prochaine. Et voilà, bye bye les gars.